Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence la première section. Alors, j'ai déjà décidé de trois interactions. Alors, premièrement, ici, on va faire des rabats en quinconce. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré le papier cartonné. Alors, pour question de pouvoir mettre des photos de 10 par 15. Alors, j'ai fait 10 par 15 un peu plus large pour qu'il reste une petite bordure, plus une couture. Alors, si je mesure, ça donne 11,3 par la carte elle-même, elle est 15,8 et puis j'ai 1 cm de couture. J'en ai fait 4. Alors, j'ai déjà fait ma ligne de pliure pour les coutures. Alors, voici mes marques. Je vais les plier. Même ce que je vais faire, là, je vais faire un petit quelque chose ici. Je vous conseille d'ajouter un petit bouchon de 1 mm ou 2 max. Alors, du côté couture, on fait une autre ligne juste à côté. Comme ceci, vous avez deux lignes. Ça va être à plier et puis, vu qu'il va y avoir quelques cartes, une par-dessus les autres, les unes par-dessus les autres, bien, peut-être ça va donner un petit peu d'aisance pour pouvoir rabattre par-dessus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré pour avoir la largeur ici que j'ai disponible entre la pointe de mon triangle. J'ai déjà posé mon petit triangle. J'en ai posé plusieurs avec vous. Alors là, je les pose avant de faire les pages. Alors, tout juste à l'intérieur de ma page, qui reste 1 mm ici, toujours pour donner de l'aisance à ouvrir. Alors, je trouvais que ça donnait tout juste un peu plus que 10. Alors, je trouvais que c'était parfait. Alors, on a une bordure si jamais quelqu'un peut mettre une photo. Alors, on va les plier toutes. Alors ici, on a deux goussets, on a un petit gousset, alors on a deux plis à faire. Puis, comme je disais, j'aime bien accentuer mon pli avec mon plioir. Le pli qu'on a fait, quand c'est juste 1 mm, ça ne vaut pas la peine de plier deux fois, on n'arrive pas dessus de toute façon. Alors juste avec le plioir, ça va aider beaucoup à aller chercher sa place. Ceci. Alors là, je vais les plier. Alors, une comme ceci. Je vais les coller. Une comme ceci, une comme ceci, une comme ceci. Puis ça va par-dessus le triangle, ça va, c'est pas un problème. Puis une comme ceci. Alors, je vais commencer par faire la première. Alors là, ici, vu que je vais être sur le coin, je vais biseauter la pointe de ma couture qui est sur le coin ici. Si vous préférez, vous pouvez les biseauter toutes. Juste pour être certaine de ne pas en oublier. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de la couture. Et je vais coller tout juste à la base ici. Bien aligné sur le côté de ma page. Alors, n'oubliez pas, on travaille sur la page, non, on ne travaille pas sur l'accordéon. Je l'aurais dit au cas où vous ne l'ayez pas entendu ou bon, vous l'ayez oublié. Ça ne coûte rien de le répéter. Alors, tout juste à la base de la page et sur le long ici. Vous pouvez le garder à 1/4 mm si vous voulez. Tout juste sur le côté, comme vous voulez. Pourvu qu'on ne dépasse pas. Alors là, je vais ouvrir comme ceci. Je vais aller presser. J'enlève l'excès de colle. La deuxième, je vais la mettre. Alors ici, il y a quelque chose que je voulais faire. Parce que je veux utiliser le fermoir. Que j'avais fait avec le. Je sais pas si je vais y arriver. Je verrai si ça fonctionne plus tard. Le petit fermoir avec la carte là, qu'on a vu aussi dans Dreamland, le grand album. Alors, je vais le poser tout juste en haut. Alors, c'est pas nécessaire de le mettre en haut, vous pouvez le mettre plus bas si vous voulez. Donc, vous les positionnez là où vous voulez finalement. Droit avec le haut. La prochaine. Alors, elle, je vais la mettre sur le coin. Alors, je vais biseauter le coin ici. Juste la couture. Bien en haut ici.
et bien alignée sur le côté, si vous voulez. Ou si vous voulez, vous pouvez la mettre comme ceci. Je pense que c'est ce que je vais faire à cause du coin ici. Bon, c'est ce que je viens de décider de faire. Alors, je ne la mets pas tout à fait sur le coin. Je libère mon coin ici. Ça va faire joli d'avoir un espace de papier design. J'avais comme pas vraiment décidé. Je savais que j'en mettais un sur chaque côté, mais pas décidé vraiment où est-ce que je les mettais. Donc, je pense qu'on va être bon ici pour faire le petit fermoir que je voulais faire. Alors, il m'en reste une à faire. Alors, peut-être que je la mettrai en haut complètement. Non. Je vais la mettre tout juste sur le coin ici. Alors, on va avoir un coin ici design, un coin ici. Et on va pouvoir tenir les cartes ensemble avec notre petit fermoir que je voulais faire. J'avais déjà choisi la petite carte pour faire ce fermoir-là. J'avais vraiment dans l'idée. Puis en même temps, je voudrais que ça ne soit pas vis-à-vis. Alors, j'aime bien quand c'est comme un peu en quinconce. C'est comme ça que j'avais écrit, 4 rabats quinconce. Alors, tout juste en haut, libérez toujours au moins 1 mm en haut de la pointe de votre triangle. Assurez-vous qu'ici, vous êtes bien parallèle, ou ici en haut, un des deux. Faites mesurer en haut ici et ici pour vous assurer que vous êtes bien égal. Voilà. Alors, 1, 2... On va commencer par lui. 1, 2, 3, 4. Puis ici, alors j'ai gardé, j'ai pris une chute. Et puis, ça aurait peut-être été bien de l'avoir en haut, mais je crois que ça ne fonctionnera pas. C'est trop serré. Alors ici, ça va être bien. Vous allez comprendre ce que je veux dire. 1, 2, 3, 4, comme ça. Alors, je vais faire une petite carte qui va prendre en serre ces deux ici. Je vais fermer tout ça. Ça va garder fermé. Alors, j'ai pris une chute qui était la largeur ou à peu près. Alors, j'ai juste mis de côté d'une petite carte. Alors, vous trouvez une petite carte. Si vous n'avez pas de carte, vous prenez un petit motif qui est joli dans votre collection. Et puis, ici, dans mon cas, je pourrais l'avoir plus large si je voulais. Et je pense que je vais la faire tout juste la largeur. Alors, je me garde un millimètre tout le tour ici pour ce qui est du haut, les deux côtés. Mais je vais avoir plus long ici. Je vais avoir besoin de plier. Plus long, je vais le faire double. Alors, je vais me faire une marque ici et une autre ici. Et je vais couper en bas. Alors, deux fois la hauteur de ma petite carte ou d'un carré quelconque de papier design que vous avez. Et puis, plus environ un millimètre de plus pour que pour avoir une petite bordure autour de la carte. Comme ça. Alors là, elle, je vais la coller ici. Et puis, je vais faire une ligne de pliure à mon autre marque. Je vais effacer mes marques. Alors, je vais plier comme ceci. Oups, comme ceci. Alors, ma carte, elle, est-ce qu'elle est ici? Oui. Alors, c'est bien égal ici. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre de la colle entre les deux, tout juste au pli. Voilà. C'est simple, hein? Effacer mes autres marques. Alors ça, pour que ça soit bien, bien pincé, bien serré. Et puis, ici, ben, il faudrait que j'ancre un peu les côtés. Colle ça bien comme il faut. Bien aligné en haut et sur les côtés. Vous pouvez même faire ça ici, si vous voulez. Je vais coller ma petite carte. Moi, je l'avais fait, la tâche était ce petit machin ici de pincer. Il était en haut dans l'album Dreamland. Mais là, je le fais en bas. À cause du coin ici, ça me débalance un peu. C'est correct d'avoir en bas plutôt qu'en haut. Alors, ma petite bordure tout le tour bien correcte. Je casse tout ça. Puis ici, vous allez pouvoir mater, mais pas l'intérieur, c'est pas nécessaire. Puis ici, je crois que je vais arrondir le coin juste de lui ici, ça serait joli. Juste pour montrer que c'est pas la même chose. Comme ceci. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de pincer comme ceci. Voilà, rester fermé. Très simple, hein? Alors ça va faire partie, je vais en faire plusieurs dans mon album. J'ai parlé que j'étais pour faire un album avec toutes sortes de fermoirs comme ça, de cartes. Alors, pas d'aimants, pas de... peut-être des onglets rotatifs, je ne sais pas, mais on verra. Mais toutes sortes de fermoirs comme ça, pincés avec des cartes. Alors voilà, c'est terminé.
Puis je vais probablement arrondir tous les coins de mon... Peut-être. Peut-être pas non plus, parce que vu que lui, il est coin, il est carré, alors ça serait bien de continuer carré. Mais je verrai. Alors ça, c'est la page des quatre abats en quinconce. Ensuite, alors, bien, je vais le faire ici parce que je réalise que je vais faire la cave glissante ou ascenseur. Il y en a qui l'appellent ascenseur. Mais je ne peux pas la faire à cause du coin ici. Alors, je vais devoir la faire de ce côté-ci. Alors, je vais effacer ce qu'il y a au centre. Et je ne mettrai pas de coin, ou je verrai peut-être à la fin, peut-être sur une des petites cartes, il y aura un coin, on verra. Donc ici, je n'ai pas posé mon coin. C'est pour ça que je ne voulais pas les poser trop en avance, les coins, au cas où il y a des interactions, parce qu'il n'y en a pas de coin finalement. Il n'y a pas d'espace, parce que ça ne fonctionnerait pas. Alors, j'ai calculé deux bandes. On trouve le centre de notre page, ici. Alors, 18 et demi, ça fait 9 et quart. Une petite marque comme ceci. Alors, vous avez taillé deux bandes qui sont... À partir du côté de la page, alors attention, pas l'accordéon, juste la page, jusqu'à environ 2 ou 1 mm à l'intérieur de la marque du centre de la page. Même chose avec l'autre. Comme ceci, parce qu'elle est. Comme ceci. Parfait. Alors, deux bandes comme ça, et la hauteur va être la hauteur de votre page plus une couture chaque côté. Alors, ici, je l'avais fait. Je fais une marque ici, tout juste à l'intérieur de ma page. Je vais faire la ligne de pliure. Alors, faites la ligne de pliure. Idéalement, vous pouvez faire ça sur votre morceau avant de les couper. Mais bon, si vous les avez déjà coupés, faites comme moi. Et puis, vous refaites votre ligne comme ceci. Bien égale, les deux. Comme ceci. Alors, on va plier. Ici, si on a l'écriture, on va l'enlever. Alors, on va coller les coutures en haut et sur le côté ici. Même chose sur le côté ici après. Alors, je vais faire ça ici pour biseauter les quatre coins. Alors, je mets la colle ici sur l'extérieur des coutures. Et une fine ligne à l'intérieur sur un côté. Un fin, c'est pas nécessaire. Ça peut être plus épais si vous voulez. Puis, vous la collez tout juste à la base et sur le côté de la page. Attention, pas de l'accordéon, toujours juste de la page. Et vous attendez que ce soit bien fixé. Alors, en principe, vous devriez tout juste environ 1 mm à l'intérieur de votre marque du centre de la page. C'est ça qu'il faut. Alors, c'est normal que vous n'arriviez pas à la limite là, à la petite marque, parce que on veut laisser un espace ici pour que la carte puisse se coulisser. Ici, je vais enlever ma marque pendant que c'est accessible, parce qu'après, ce n'est plus possible. Alors là, on a l'autre tout de suite. On a l'autre déjà faite, mais on ne va pas la poser tout de suite. Il faut poser notre carte avant. Alors, je vais faire la carte. Je vais faire toutes mes marques. Et si vous voulez mater de papier design ici, vous pouvez le faire. Ça fait que ça couvre les coutures et aussi les rabats ici. Les coutures de la base de page et les coutures des pochettes, de la pochette. Alors moi, je vais prendre peut-être juste un morceau de papier uni. Pas besoin d'être papier design, il va en avoir déjà pas mal. Alors à l'intérieur ici jusqu'à l'intérieur ici, juste une petite bande d'environ 1 cm à 2. Pas plus, c'est pas nécessaire. Je mets de la colle. Je vérifie ça entre bien. Parfait. Je mets de la colle derrière. C'est bien d'avoir une couleur contrastante au fond. Ça me permet de cacher les coutures en dedans. Je vais les poser comme ceci à l'intérieur. Moitié-moitié. Alors, juste entrer la moitié dessous. Puis l'autre moitié, on la laisse comme ça pour que, quand elle va être posée, qu'on ait le même, qu'on le voit aussi. Moitié, c'est pas nécessaire de calculer le centre exact, là, juste pour qu'on en ait un peu chaque côté. Ensuite, la petite carte. Alors là, vous allez choisir une carte dans votre collection. Vous allez couper un morceau qui est égal à la hauteur ou un petit peu plus petit. Moi, j'ai calculé environ 1 mm. Ça peut être un petit peu plus petit que ça encore. Je vais en enlever un autre millimètre. Alors, juste un peu plus court que la carte, mais plus large.
Alors là, vous allez trouver le centre approximatif. Vous allez couper les morceaux. Vous allez le couper en deux sur le long, comme ça, en hauteur, comme ceci. Ensuite, on met ça de côté. On va passer des lignes de pliure. Alors, une couture. Puis ici, je vais mettre seulement 3 mm. Alors, on va avoir juste 4 petits rabats. Il n'y aura pas de rabats supplémentaires à l'intérieur, des petites cartes. Il n'y aura pas d'accordéon, rien de ça. Parce que là, on ne peut pas se permettre de faire des choses épaisses comme ça. Alors, 3 mm, c'est suffisant. Je fais la même chose ici. 3 mm. Ou un 1/8 de pouce. Voilà. Alors, on va plier les deux plis. On va viser les coins. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait plus étroit, pour pas qu'on soit obligé de biseauter tout ça, pour pas que ça paraisse. Et si je biseaute les coins, je crois que ça va aider un petit peu à glisser mieux. Ensuite, on va coller un morceau ici, à l'intérieur, et l'autre devrait rentrer ici. Alors, avec les coutures à l'intérieur, comme ça. Et puis, il faut que les deux se contiennent à l'intérieur. Alors, quand on les met dos à dos, si c'est trop large encore, il faut en enlever. Alors, j'ai trop large, puis ça peut être plus petit que la carte aussi. Pas trop, parce qu'on ne veut pas que la carte soit trop molle. Il est juste en enlever un petit peu. Alors, ce que tu peux faire, c'est trouver le centre de la carte. Ici. Même chose ici. Comme ça. Alors, votre grand morceau ici, il va se trouver à... Ici, si vous voulez faire la petite couture ici plus large, c'est correct aussi. C'est pas nécessaire que ce soit aussi petit. Vous pouvez faire peut-être 2 cm. Alors là, côté couture au centre, je vais m'assurer de coller ma petite bande tout juste à l'intérieur des marques. Comme ceci, je vois ma marque en haut, ma marque en bas. Je suis juste égale à ça. Et vous allez voir que votre petite carte, elle est plus petite. C'est parfait. C'est ça qu'on veut. Pas que ça dépasse le côté, pas qu'on la voit. Et faites la même chose de l'autre côté. Alors, vous allez aller vérifier si ça entre bien. Parfait. Plus petit. Pour que ça soit plus petit. Et vous allez la coller. Toujours avec les coutures et les petits goussets à l'intérieur. Alors là, vous allez coller. Alors, vous allez mettre les deux goussets ensemble. Vous voyez les deux petits goussets ici? Alors, collez la carte. Sur le long de la carte de l'autre. Alors, vous pouvez pincer comme ceci. Pincer comme ceci, et puis vous allez arriver tout juste comme ça se doit. Voilà. Ensuite, alors là, ça va, vous allez attendre que ce soit bien pris. Là, vous allez ouvrir ici. Alors, vous pouvez toujours mettre une petite goutte de colle ici si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire, parce que notre gousset est petit. Quand on fait plus épais, parce qu'on met des accordéons, tout ça, on a un gousset ici beaucoup plus épais. Alors là, je recommande de les coller ensemble. Ça fait que la carte glisse mieux. Mais ici, c'est tellement fin que je ne crois pas que c'est nécessaire. Alors, vous placez comme ceci. La couture ici, vous l'entrez à l'intérieur. Toujours votre carte bien droite. Si vous avez du papier cartonné qui est plus mince, je vous recommande de faire un carré uni un petit peu à l'intérieur de la carte avant de faire cette portion-là. Alors, doublez votre carte finalement, juste un peu plus petite comme on a fait là. Sinon, ça, vous allez voir, c'est trop mou, ça va se plier. Alors voilà, j'entre un côté, comme ceci. Vous voyez? Et ensuite, je vais être prête à poser mon autre bande. Je vais aller vérifier. Alors, vous allez voir, ça glisse très bien comme ça. Et du fait qu'on a maté ici le fond, alors ça n'accroche plus dans les coutures. Alors ça, il faut la laisser à l'intérieur. Ça, c'est sûr que c'est bien collé, parce qu'après ça, on n'aura plus vraiment d'accès. Alors, vérifiez vos coins qu'ils soient bien collés. Placer la carte à l'endroit, une couture à l'intérieur. Puis là, je vais pouvoir mettre la colle à l'extérieur des rabats de collage, des coutures. Et puis, une fine ligne du côté ici de colle. Fine, bien, c'est pas nécessaire que ce soit si fine. Vous allez l'entrer. Alors ça va entrer ici. L'autre va entrer comme ceci. Alors, vous voyez, comme ça. Puis là, vous allez coller tout juste sur le bord de la page. Et puis, bien aligné en haut en bas. Puis, s'il vous reste plus que 2 mm, 3 mm au centre, c'est bien correct. Pas de problème. Votre carte va glisser encore mieux.
Ça va juste rapetisser un peu la largeur des petites cartes qui vont être ici sur le dessus. On va coller, vous assurer que c'est bien fixe avant de passer à l'autre étape. Parce qu'après ça, c'est difficile d'aller porter la colle. Alors là, vous allez préparer pour les cartes. Alors, la largeur de votre page. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une couture, passer une couture de la largeur de la doublure ici. Et pas de gousset. Ou peut-être un gousset de 1 mm. Pas plus. Juste pour que ça plie bien. Et vous allez faire une marque tout juste à l'intérieur de la doublure ici, pour des coulisses qu'on a ici. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Puis vérifier si l'autre côté, ça arrive égal aussi. Si c'est la même chose, alors vous pouvez faire 4 quarts de la même grandeur. Puis la hauteur, il faut que ça soit... Alors, vous calculez la hauteur de la carte, de la page. Alors, j'irai à environ 1 mm de moins que la hauteur. Alors, cette petite ligne ici, coupée comme ceci. Et puis là, j'aurai plus de temps. Alors, je vous reviens pour la suite. On continue demain. Alors, vous avez tout ça à faire aujourd'hui. Je crois que c'est suffisant. Alors, coupez votre carte de ce format. Et puis, je vous reviens. On les pose. C'est une affaire vraiment banale. Et puis, vous allez... on va passer à l'autre interaction après. Alors, moi, je vais les couper. Je vais vérifier si c'est bien correct, si c'est bien droit. Même chose de l'autre côté. Deux de la même grandeur, parce que moi, ça fonctionnait des deux côtés, c'était la même chose. Et puis, je vais couper ça au centre. Je vais mesurer le centre et je les coupe. Alors, je vous reviens, on va faire les lignes de pliure et puis on va tout simplement les coller. Alors, je vous reviens avec la suite demain. Bye bye, merci.